Alors c'est un projet qu'on a commencé l'année dernière. Je vais passer la parole à Sinam. L'année dernière, c'était le premier test quand on a commencé la saison 1 de la chorale. On a enregistré dans le studio de la Chine, à peu près. On a enregistré au studio de la Chine parce qu'on voulait les enregistrer en DVD. On a aussi fait un spectacle à la fin de l'année. Et nous avons aussi demandé à continuer le projet Coraline Swing. Et cette année, c'est la saison 2, on va commencer à faire des spectacles et le chant. Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Sonne trompette éclatante, paya pa pa la pa. Nous marchons là. Carmen Swain, on est 33 chanteurs sur le projet. On travaille avec notre professeur de musique du collège et deux metteurs en scène. Carmen in Sud, c'est une montagne russe d'émotions. Oh, c'est rempli de joie, de tristesse, d'amour. Ah, je suis épuisé, tu m'en relèves. Ouais, ça commence bien, viens d'arriver. Non, mais c'est comme ça que ça commence. De quoi tu parles? Carmen, ça commence par la relève qui arrive. Je suis pas Carmen, hein. Je sais bien. Je suis Alfonso. Mais il comprend pas, je fais comment là? Super. À qui tu parles? T'es cinglé? Mais il y a un public là, on joue dans Carmen. Arrête, hein. je suis Alfonso. Je supporte pas les surnoms, alors tu montes la garde et tu la fermes. On a été aidés surtout par des gens, par Marc Lamijon. Voilà, Lamijon. Et par Cassandre. Et que les musiques, c'est pas. C'est de l'opéra, mais comment dire? C'est un peu du jazzy. Votre dos, oui, je peux vous le rendre. Seigneur, 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 car avec les soldats, oui. J'ai voulu faire la comédie musicale parce que j'adore les chants et j'adore les théâtres. Et je me suis dit que si je pouvais faire une combinaison des deux, ce serait encore mieux. Et ça me donne du courage quand j'ai peur de chanter ou de faire du théâtre devant plusieurs personnes. Ce qui est cool dans la chorale, c'est qu'au début, on arrive, on a le trek de parler devant plein de gens. Et grâce à la chorale et grâce à NU, on n'a plus vraiment le trac de parler devant plusieurs personnes, on est plutôt à l'aise. Regarde à toi, regarde à toi. Principalement parce que j'aime bien chanter. Pour le théâtre, au début, ça me tentait pas trop. Et finalement, quand j'ai fait du théâtre, ça m'a plutôt plu. Moi, c'est parce que déjà, j'aimais bien le théâtre au départ. Et vu que j'avais pas trop l'occasion de faire du théâtre, du coup, je me suis dit c'est justement l'occasion de faire du théâtre. Carmen in Swing, c'est 33 chanteurs, c'est une prof de musique. C'est aussi deux metteurs en scène, une aventure qui a commencé l'année dernière avec un enregistrement studio à la clé. Et puis cette année, un grand projet de spectacle au Centre Matisse.